Aujourd'hui, c'est moi qui travaille. En fait, le samedi, parfois, on peut travailler et après, on rattrape un autre jour de la semaine. Et donc, bon, j'ai une voix cassée. Je suis un peu toute seule dans la rédac et je fais ce que je veux. Par exemple, j'ai mis du Mike Brandt. Là, c'est bien. Le plus beau des voyages. Je peux faire un peu comme si c'était mon appart. Oh bah là c'est mon petit salon, j'ai beaucoup de chaises parce que tous mes amis aiment s'asseoir. Dis-moi comment je disparais. Allez à vous. Quand même, une journée où il y a les autres, c'est un peu plus rigolo. Là c'est vrai que je suis quand même pas mal seule toute. Il est même pas 18h. Mais j'ai l'impression dans ma tête qu'il est 19h30. Salut le vlog! On voulait juste vous dire merci pour les gentils commentaires sur le nouveau site. Genre sporadique, GG, le nouveau site est tout beau. Ah, c'est toi qui es tout beau! Merci! On a reçu aussi plein de commentaires qui disent que voilà, le site fait un peu plus, un peu plus épuré, notamment des lectrices du forum. Et vraiment, on est à fond dessus et on va continuer à l'améliorer. Clap clap les devs, merci Liliana. Et on a Younes qui a percé. Oh. Je vais me marier. Oui. Félicitations. Merci. Bravo les filles, j'adore le nouveau site, il est génial. Comment ouais. Ça, bravo les filles. Ouais. Pas de noir, de rebeu ou femme voilée. Ben moi je suis rebeu. Enfin je suis berbère en fait. Et Younes aussi en passant. Tu fais quoi Younes? Je suis en train de faire un mur entre toi et moi. Je suis installée à la table ici. Et il y en a marre que je regarde parce qu'il me fait des fucks depuis tout à l'heure. C'est ça qu'il faut, savoir. Mais t'as trois feuilles de papier là. Regardez. Bonsoir. 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 Je trouve que c'est... Vous voulez sentir ma barbe? Je te laisse sentir la barbe. C'est lâche. Vous avez trop essayé de trouver sur Slack. En fait, sur notre outil de discussion, n'est-ce pas, on a possibilité en fait de déclencher des réactions. À chaque fois que quelqu'un dit un mot, nous, on... Enfin, le... Genre chauve comme Fab. Chauve. Ah, ah c'est quand même... ça prend un peu de temps. J'ai trop teasé, il faut jamais trop teaser parce qu'après c'est plus drôle. Mais genre, quand j'ai créé mon Slackbot, j'étais morte de rire et je me suis dit, ah, le jour où il va se déclencher, ça va être trop drôle. Mais sauf que personne ne dit ce fucking mot. On est en train de réfléchir à des mots qui pourraient déclencher le Slackbot. Donc il y a notamment cactus. C'est quoi ton cadeau? C'est un petit cactus Snackfeu. Excellent. Yves. Yves de Koh-Lanta. Et les mots qui étaient le plus associés à ce que je dis en général sur ça. Damso. Je parle de Damso, je parle de Benoît. Waouh. Oh, c'est la trahison. Trahison. Je suis content de la boîte, mais je suis pas content de toi. Il faut me libérer de Louise. Elle passe son temps à me regarder avec ses yeux comme ça, là. On dirait qu'elle veut me tuer, tu vois, Médusa. Bah voilà. On est en train de réaménager en fait, enfin d'essayer de réaménager les bureaux. Là il y a cette table là qui va virer. On a quand même beaucoup plus d'espace. Et du coup so cette table là, prolongée. Voilà ce que ça donne. Les jaloux diront que c'est redevenu comme avant et ils auront raison. Je crois comprendre pourquoi Fabrice veut pas qu'on ait des rideaux. On les nettoie pas. Tout ils sont maltraités. Bah alors, tu t'es fait un pote? Oui, ça fait l'envie. En fait, on en a deux. Il y a Hubert en bas et il y a Henri ici. Ah. Et je sais pas, j'ai d'humeur flamant rose. C'est une humeur que j'ai inventée. J'aime beaucoup cette humeur. Moi aussi. Du coup, voilà, je vais garder Henri sur mon épaule. Enfin, j'espère qu'il passera une bonne journée, du coup. Bah oui, voilà. Enfin, tu sais, moi, je suis contre la cruauté animale, donc forcément, je vais bien le traiter. Comme il fallait dire au revoir à ce vaillant cœur bleu qui est quand même là depuis presque un mois et demi, mais qui tire la gueule, je me suis dit qu'on allait voir si j'aspirais l'hélium à l'intérieur, ça me ferait une petite voix. J'ai jamais fait ça, donc je suis hyper excitée. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Coucou Esther. C'est dégueulasse. Créer son entreprise en 2017 dans la France d'Emmanuel Macron, dans la France en marche, c'est aussi être capable de savoir dégeler le congélateur. Il y avait tellement de gifs que la porte est restée entrouverte, tous les surgelés à l'intérieur, complètement morts, etc.
Donc voilà, il a fallu s'en occuper. Il y a une grande devise qui dit que quand en fait dans une entreprise personne ne sait faire un truc ou ne peut faire un truc, c'est toi en tant que patron qui t'en occupe. Voilà. Donc là présentement, ça fait 2 jours que je suis sur ce projet. Parce que oui, c'est notre projet. Dégeler le congélateur. À chaque jour son scandale. Figurez-vous que aujourd'hui on parle un peu héros de l'enfance parce que le 19 mai c'est la grosse teuf à la Bellevilloise et que le thème c'est héros de l'enfance. On parlait de stress, genre normiche et tout, tranquillou bilou. Et là, Dorothée, qu'est-ce qu'elle nous sort ? Qu'elle ne regardait pas Undo Stress. Quel genre de gens complètement sadiques qui ne regardent pas Undo Stress ? Je trouvais ça chiant. Je zappais. Lola qui va à l'ombre et qui couche avec Géro là-bas. Et Pedro qui a bien le seum. C'est chiant ça ? C'est chiant ça ? Je sais pas qui c'est. Bah ouais, bah tu saurais si t'avais vu. Et quand Diana, elle va voir Adela et qu'elle lui dit. Quand on est une putain, on le reste toute sa vie, n'est-ce pas Adela ? Et qu'Adela lui fout une baffe et qu'on a tous envie de lui foutre une baffe parce que c'est une grosse conne, Diana. Ça, c'est chiant ça peut-être ? Je zappais, c'est tout, je zappais. Si vous aussi vous pensez que Dorothée mérite qu'on lui montre les coudes des gens de Undo Stress, voilà. Pour se venger ! Je connais pas les paroles, ça tombe bien nous non plus. Il faut que tu saches. Que si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Je m'entraîne, mais j'y suis pas toujours encore. As-tu qu'on avait fait un one match show spécial, special? Céline Dion, la note Céline qui est nationale, là. Et puis que mais c'était sympa. Je le fais très mal. Je voudrais dire à toutes les Québécoises et Québécois qui nous regardent depuis le Québec là, que je suis désolée de cet accent, là, mais que je m'entraîne et que évidemment je le fais très mal. Je me rends bien compte. Pour la France, ça passe. Il y a un accent breton là, que les gens ne connaissent pas. On dirait du créole mal fait. Ça existe quand même que c'est l'accent breton, mais ça c'est les vieux qui parlent comme ça que c'est. Maintenant les gens ne font plus ça. Hein. Et ma grand-mère. Non, mais non. Ma grand-mère elle parle comme ça. En plus, quand t'es une vieille bretonne, quand tu parles aussi, toi tu t'exprimes comme ça avec ton bras et tu ne fais que comme ça là. Et celle-ci était Paris. Ma douée. Moi j'ai été emmerdée que c'est. Tu lui as pas dit, mais moi j'ai été emmerdée toute la journée. Mademoiselle.com, là, eh bien, on t'embrasse et on te fait un bébé. Coucou le vlog, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah c'est horrible. Alors, il y a trop de bruit là-haut. Merci. Je suis ici pour vous montrer ma super acquisition du week-end. Ta-na-na-na-na-na. Et alors regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Oh, mais c'est Anne Fleur qui l'a fait. Et où est Anne Fleur? La grande surprise. Elle va me dédicacer mon livre. Ah, ça fait peu de livres que j'ai signés dans ma vie et du coup je suis toute émue. Et, j'ai la pression. La plus solaire des graphistes. Je cite. Je ne fais que citer. Oh merci Anne. On a reçu dans une enveloppe pour demander des stickers ce magnifique dessin, hyper inspirant. Et derrière, il y a une lettre. Oui. Salut la rédac, je m'appelle Lohan, j'ai 18 ans et je suis en première année à Sciences Po Aix. My girl. Le petit dessin. C'était juste pour ça. C'était juste pour ça. Pour beaucoup de jeunes filles, dont moi. Oh, c'est trop mignon. Je viens d'ouvrir un super yaourt à la noix de coco. Et il a un peu explosé dans mes cheveux. J'essaye de... Coucou le vlog. Le vlog, salut. Alors, c'était le jingle d'entrée de moi-même. Avec Fab, on vient de faire une vidéo plutôt cool qui, je pense, va éclairer les foules sur l'envers du décor de mon métier, puisque je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle et que je pense que plein de gens ne
savent pas ce que c'est. Puisque même Marion Seclin, que vous connaissez bien, m'a récemment demandé... comment on fait pour s'abonner à un podcast? Regardez, ah, allez cliquer, regardez, c'est vraiment très intéressant. Si vous voulez comprendre ce que c'est les podcasts et à quoi ça sert et comment ça va égayer votre vie de ouf, genre les voyages en train qui sont un peu longs parfois, surtout quand il y a des enfants qui récitent leur table de multiplication à côté, au hasard, c'est pas ce qui m'est arrivé la semaine dernière, voilà. Alors bon, bah vous faites comme vous voulez, hein, mais je vous conseille juste, je fais ma petite auto-promo, hein, comme on dit dans le métier. Voilà. C'était une longue pause. Bisous. Ah, Marie, qu'est-ce que tu as reçu? J'ai reçu mon costume de la grosse teuf. Oh my god. Tu te déguises en quoi? Est-ce que les gens doivent deviner? C'est plus drôle, non? Ok. C'est un chapeau. Interesting. Je vais clairement pas le porter toute la soirée car cela va être vraiment absolument très relou. Ensuite, le mystère s'est fait sur une thématique. Petite cravate. Ah, puis bah bien sûr. Of course. Exceptionnel. Jupe plissée. Ça c'est un indice. Méga indice. Si toi tu as deviné en quoi Marie elle va se déguiser pour la grosse teuf, n'hésite pas à mettre un commentaire. Coucou Edwige. Hello. Salut. Ça va vous? Ça va bien. Je la pète un petit peu. J'ai mis une combi stylée aujourd'hui. Ça va Manon? Coucou. Alors je suis pas là pour me la... Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi. T'as envie de nous faire un petit... Je vais passer mais je vais faire le tour. Je te vois encore. Hein. Et là, tu vois encore? Oui. Non. Je suis là pour vous présenter notre nouvelle rédactrice beauté. Voilà, regardez qui c'est. Bonjour Alison. Non mais alors c'est un grand angle, regarde. Si d'accord. Je te filme là, c'est quand même assez loin en vrai, hein, tu vois. Ça va comme ça ou pas? Oui. Bonjour. Ça va bien? Oui. Donc je vous présente Alison, elle est à peu près par là. Je suis une rédactrice de Chasse et Pêche. Je suis arrivée mardi. Et tu as fait donc ton premier article aujourd'hui? Oui, sur les roues. D'ailleurs, je suis désolée pour la communauté rousse car vous risquez d'être beaucoup tagués sur cet article et je suis désolée. Je l'ai partagé à ma maman. Ma maman, elle est rousse et elle m'a répondu en me disant qu'elle était trop émue d'un article comme ça. Oh, c'est chou! Salut, c'est vendredi. Moi, je me suis dit que j'avais passé le meilleur vendredi possible, donc je me fais plaisir. Si vous voulez, j'ai rompu il y a 2 mois, donc à un moment, faut se prendre en main et faire un truc. Donc moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, dans un prochain vlog, à 18h, sur Mademoiselle, dimanche, sur YouTube, et voilà. Jaloux de lui, hein? Enfin, aussi, il est un peu jaloux. Ah, tu t'aimes, l'argot. Mais oh, pas sur le vlog.